Pour votre première pleine lune de l'année, quelques courts-métrages affreux, sales et marrants, présentés par Renaud Rutten et Lolo Ferrari. Oh non, oh. Lolo Ferrari. Oh, 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 alors là, là, les enfants au lit. Oh. Lundi. Condamné à 50 ans de prison, Lucky Luciano a trouvé une combine pour ne pas les faire. Mafieux comme pas deux, en invité surprise à la table des politiciens. Il a le visage de Gian Maria Volante dans un film de Francesco Rossi, lundi à 20h45. Le programme suivant contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Chers amis de la nuit, de la peur et de l'horreur, bonsoir ou plutôt bonjour. J'espère que vous êtes très mal installés sur cette chaise percée, un tabouret ou une planche à clous. Non, non, sur une chaise percée, un tabouret ou une planche à clous, sinon ça ne veut rien dire. Sur une chaise percée, un tabouret ou une planche à clous, et que vous regrettez votre couette douillette, votre petit livre d'histoire pour bien dormir, car l'émission à laquelle je vous convie ce soir, un seul but, de vous faire frissonner. Non pas de plaisir, mais d'effroi. Une trouille bleue en noir et blanc, ça vous dirait. Le bon docteur Schnitzel vous a réservé un petit traitement à sa façon. Écartez-vous de l'écran, ça va gicler. Vous en vouliez, vous en aurez. Nikki la stripteaseuse vous emmène dans son tragic strip. Nuit torride et grosse pétoche en perspective. Alors comme ça, vous aimez avoir les foies. Eh bien, vous allez être servi, parce qu'avec adoration, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on déguste. Il est encore temps pour vous de vous raviser, de ne pas jouer les gros bras et de reconnaître que vous n'êtes pas fait pour ce genre d'émission. Ah, parce que vous êtes de grands sensibles et que vous... Et ce qui va suivre... Que ce qui va suivre et que ce qui va suivre, Sammy. Et que ce qui va suivre est la limite... Reprends toute la phrase. Parce que vous êtes de grands sensibles. Parce que vous êtes de grands sensibles. Et parce que vous êtes de grands sensibles. Ça va, oui, tu l'as déjà dit. Et que ce qui va suivre... Et que ce qui va suivre est la limite du... Est à la limite. Est à la limite. Est à la limite. Du regardable. Du regardable. C'est pas difficile, il suffit de lire. Et que ce qui va suivre est à la limite du regardable. Très bien. Je vais donc vous laisser le temps de zapper les peureux. Bon... Point, 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 tu t'arrêtes deux secondes, tu attends. Tu mets ta main devant ta bouche. Bon, vas-y. Vous l'aurez voulu. Enlève ta main maintenant, enlève ta main. Puisque vous avez décidé de rester avec nous, voyons si vous tiendrez le coup jusqu'à la fin. Ça va, ça va. Je parle. Accélère. Pour accélère. Ma part, que vous serez plus d'un. Je crois que vous serez, pour ma part, plus d'un à vous faire, à vous pisser dessus. Tu l'as baisé? La fille t'a baisé? Ah oui, en fait. Ta fille d'hier soir, tu te l'es faite?
À moitié. À moitié. Tu l'as baisé ou tu l'as pas baisé, il faut savoir. Non, mais t'es d'accord, t'imagines? Elle a tout juste 15 ans, la fille. Bon, on a dansé 10 minutes, je l'invite à prendre un verre au chaud, et là, prends 5-6 verres, on discute toutes sortes de conneries, commence à s'embrasser, à toucher un peu. Attends. Elle me propose de faire ça là, tout de suite. Hein? Mais tu l'as baisé ou merde? J'aurais bien voulu, mais... C'était le carnaval de Rio. Qu'est-ce que tu dis, Léa? Les paroles. Qu'est-ce que ça dit? Je t'aime, je t'aime. Deux ou trois, Léa? Trois. Salut Léa. Alors, comment ça va aujourd'hui? Bien. Très bien. Et tes cours? Je sais pas. Arrête, Sam, tu m'avais promis! C'est un autre idée, j'achète. Je te dis pas t'inquiéter. C'est toi qui as ce putain de flingue. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ok, ça va. C'est ce qu'on a prévu avec Sam. C'est juste pour impressionner. Ça, c'est la machine à penser, Sam, c'est ça? Motherfucker! Ah, je le prends. Désolé, monsieur, on vient juste de fermer. C'est fermé? Non, mais c'est les mêmes, si on n'est pas des voyous. C'est méchamment beau chez vous? Bien essayé. Ça ne marche pas avec moi. J'ai vu ça dans $350 de merde à la télé. Où je pense arriver. En plein seul, hein? Les bijoux sont numérotés, vous ne pourrez rien en faire. Ta gueule! Tu vas fermer ta gueule maintenant. Bien joué, c'est ça, c'est ça. C'est ça. T'as compris, sa gueule? Ferme ta sale gueule. La mec, tu vas la fermer ta gueule de merde. Yeah.
mais t'es con ou quoi? Merde, putain de merde, mais t'es complètement malade! Me traite pas malade! Et toi, pourquoi t'as rien dit, toi? Mais c'est Sam qui me l'a filé, j'y suis pourri, là, moi, je te jure, il faut qu'on se tire, allez, il faut qu'on se tire! Très émouvant, tout ça. C'est toi qui as voulu ce flingue, non? T'as pas arrêté de me faire chier avec ça! What's wrong, kid? Tu joues pas au stade! T'es complètement stagné! Calme-toi, Léa, calme-toi, ok? On va trouver la sortie. Pas de malin. Sam, arrête de déconner, il va la buter. On va se calmer maintenant. Archibald. C'est pourquoi. On a des images. Mario. Combien? 3.
vilain loup, mais c'est qu'il se taperait bien la petite Lily. Et en plus, elle est consentante. Tout de suite, sur Arte. Très, très beau petit film, ça. Très, très beau petit film.
Alors, nous allons maintenant parler de la polychromie, de la dorure sur bois et sur la fabrique d'église qui nous fait toutes ces merveilleuses sculptures. Je vais donc appeler Guy, mon assistant. Guy, ça va, vous êtes prêt? Voilà, le voici. Voilà. Donc, voici ici. Allez-y. Donc, ce n'est pas du tout ça que je lui avais demandé. En fait, ce que je vous ai demandé, Guy, venez là. Ce que je vous avais demandé, c'était de la polychromie, vous voyez, pas de la dorure. Allez. Voilà, donc en fait, ceci est une simple polychromie qui n'est pas polychrome, puisque c'est en une couleur, ce n'est que de la dorure. Donc Guy va nous amener, je crois, une pièce très rare, qui est une vieille sculpture de notre mère, de la Vierge Marie. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, en fait, c'est une sculpture qui vaut des millions de dollars. Donc voici ce qui reste de cette sculpture, qui est donc une sculpture du 17e siècle, enculé. C'est comme ces petits... Alors, écoutez-moi bien, tous. Vous allez regarder ce film, et moi, je vais m'occuper de cet enculé.
Quel joli petit court-métrage. Alors, nous allons maintenant... Guy, si vous voulez bien aller chercher le matériel, nous allons maintenant vous parler des saints. Des saints et de tout ce qu'ils peuvent faire sur cette planète, de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Nous avons ici l'effigie... Nous avons ici l'effigie d'un saint. Nous avons ici, nous avions ici, ça va ! Nous avions l'effigie d'un saint ici, qui maintenant, évidemment, n'existe plus, grâce à notre bon Guy. Allez chercher le reste, vous. En fait, ce qui va se passer, chers amis, c'est que nous allons vous expliquer autre chose, puisque de saint, il n'y a plus, Guy ayant tout pété. Alors, Guy, venez amener les instruments de torture, nous allons un peu procéder à tout ça. Hein ? Voilà, venez ici, n'ayez pas peur, Guy. Alors, écoutez bien ce qui va se passer. Nous prenons une pantoufle traditionnelle, hein, une de ces pantoufles dans laquelle Guy est si bien. Foutez-vous là. Dans laquelle Guy est bien. Nous allons petit à petit mettre les petites boules de peluche dans la bouche de l'enculé qui vient de me péter mon truc et essayer de l'essouffler, voyez-vous ? C'est une petite pantoufle qui n'a l'air de rien, mais qui est très efficace. Vous pouvez aussi prendre une petite pantoufle d'enfant. Viens, allez me chercher une pantoufle d'enfant, foutez-moi encore. Et avec ces petites pantoufles d'enfant, vous savez, ce genre de petites pantoufles que l'on voit habituellement devant les petits âtres à la période de décembre et qui servent aux enfants à recevoir des cadeaux de Noël. Vous devez recevoir un bon cadeau aussi, vous. Regardez bien, venez là. Je ne sais pas pourquoi celui-ci a peur. Alors, vous allez appliquer cette pantoufle directement dans la bouche de votre victime. Voilà. Comme j'aime le titre du film qui vient. C'est l'histoire d'un homme qui aime tellement une femme qu'il la découpe en morceaux pour s'en régaler.
La 13e revient. C'est encore la première. Et c'est toujours la seule. Ou c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant? Aimé qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort ou la morte. Ô délice, ô tourment. La rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de Sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche tombée, vous insultez nos dieux. Tombée, fantôme blanc, de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Quant à toi, femme née en des siècles malins pour la méchanceté des antres sibyllins qui parlent d'un mortel, selon qui, des calices de mes robes, arôme aux farouches délices, sortirait le frisson blanc de ma nudité, prophétise que si le tiède azur d'été, vers lui nativement la femme se dévoile, me voit dans ma pudeur grelottante d'étoiles, je meurs. J'aime l'horreur d'être vierge, et je veux vivre parmi l'effroi que me font mes cheveux, pour, le soir, retirer en ma couche, reptile inviolé, sentir en la chair inutile, le froid scintillement de ta pâle clarté, toi qui te meurs, toi qui brûles de chasteté, nuit blanche de glaçons et de neige cruelle. La lune s'attristait. Des séraphins en fleurs rêvaient, l'archer au doigt, dans le calme des fleurs vaporeuses, tiraient de mourantes violes de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie aimant à me martyriser s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire laisse la cueillaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli. Quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté passait, laissant toujours de ses mains mal fermées neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées.
C'était le jour béni de ton premier baiser. Ma songerie aimant à me martyriser s'enivrait savamment du parfum de tristesse que même sans regret et sans déboire laisse la cueillaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. J'errais donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue, et dans le soir, tu m'es en riant apparu. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté, qui jadis sur mes beaux sommeils d'enfant gâté, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées, neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. Je sais. Elle ne supporte pas, c'est la première fois qu'on en capture une. Qu'est-ce que ça donnait, Guy, ce film? C'était de la merde, non? Regardez, Guy. Chut, c'est tout. Elle m'a fait courir, l'enculé. Regardez, comptons ensemble, Guy. Une, deux... Et trois, les poulettes chez le Tillon. J'ai dû ruser. Regardez, celle-ci, regardez, elle est tellement flexible qu'elle se la met en bouche. Venez, on va goûter la troisième pâte des poulets de le Tillon. Allons-y, mon pongui. Nous espérons que ce petit zakouski vous aura mis en appétit, car nous allons poursuivre par le nouvel instrument de torture de l'abbé. Je n'ai pas tout saisi, mais je crois pouvoir dire que celui-ci est aussi assez efficace. J'arrive pas, je suis fatiguée. Thank you.
Aussi incapable que ton père. Débarrasse-moi le plancher plus vite que ça. Hein?
Revenons à des choses plus terre à terre. Répondre à un casting n'est toujours pas aisé pour une actrice. Les réalisateurs ont parfois de drôles d'envies. Bonsoir. Notre époque en perte de valeur glorifie quelques individus en leur conférant le statut de star. À ces rares élus, tout est donné, tout est donné. L'argent, le succès et l'amour. Combien de jeunes filles rêvent de faire partie de ce cercle très restreint de dieux vivants du cinéma. Mélanie est une de ces créatures qui, à force de vouloir atteindre les étoiles, va finir par les rejoindre.
Monsieur ? Monsieur ? Je cherche la sortie.
Orson. Bonjour, c'est pour l'appartement. Oh, oui. C'est beau, hein? C'est combien? Non. Wow. Non. Oui, ok. Non. Oh, un instant. Ok. Wow. C'est solide, hein? Un enseignement sur la mort tragique de Mélanie. À force de vouloir approcher le soleil, on risque de se brûler les yeux et de ne plus apercevoir les étoiles. Santé, mon bon Guy. Ah, on boit un petit peu de bière parce que le petit film qui va suivre, les gens boivent aussi un peu de bière. Ce qui est surtout intéressant, c'est que je n'ai pas cette chance-là avec Guy, mais une jeune femme se déshabille. Nikki, ce stripper. Vous allez voir, c'est intéressant. On va aller le regarder dans la chambre, Guy. Allons-y. This is channel 666. We're taking control of your boob tube. We're gonna tell you a tale of men of wrong behavior and bad taste. We're gonna tell you about the worst bunch of unredeemable cretins since the Dalton family. Welcome to Las Vegas, Nevada. Three-corner Dago, dressed early 70s. A psychomaniac and his bull fiddle. A wreck rigger, drinking beer by the gallon, and he just can't get it out. And a miserable geek and an awful load of Frankfurters. And here's a dog taking a nap by the jam box. This is the voice of Elvis. I'm alive on Radio K.O.W. Are you lonesome tonight? I present you the queen of the universe. And here she enters the picture. Our little sovereign bell. The heat is getting started. But she just can't be bothered. She's a pro. She's been doing this since the curse, and that was long ago. You can scream your guts out, buddy. That won't do it. You're just out of sight. Just like the other idiot and his glossy stare. Honey, sweet temptress, you're a punishment. Yeah, the lust of the flesh sure stimulates your appetite, geek. Honey, you're as sweet and pure as rock and roll just before the Brits start a mess with it. Baby, you make me lick my lips. Your poetry in motion.
You don't deserve this mob action. Speed is coming up, creep. You know what I say about a dog's sense of smell? You won't spoil the temple of fleshly desire. Peekaboo! Well, you can't get down on your knees and implore the blessed virgin. You're just a pezzo di novante, malavaffanculo. You poor mama's boy. Oh, you can mop your brow with silk. I won't get it. You'll never bump in the bumpers of that nipple-pink Cadillac. Hey, man, that's not politically correct. Oh, it feels so good under the garden. This place, dogs and pussy get along real fine. Yeah, you can give it a wolf whistle. Hold on there. Yeah, scream and yell, rant and rave. Go away with the monkey ranch. Show us some fat. Anyway, man, you're barking up the wrong tree. Now, what's the match you act with a switchblade? What do you all mean, ba, ba, ba? Yeah, you can lay your blade and pretend you're tough. But from your lips to your ears, fuck up. Yeah, play around with them. We'll whiff you 100%, baby. You can twang your G-string, buddy, but it ain't in tune with our G-spot. Oh, baby. Your ass is like a heart upside down, and I should like to kiss your ass. Yeah, pour that foam down your throat, geek, while your miserable life slips through your fingers. Now look at that one. Rant and rave and smash bottles like a swashbuckler. What are you trying to get? Her attention, man? You're just out of sight. She just don't even know you exist. She's the babe. Now that's fast, crashing your balls in front of a lady. With a mouth. Hey, it seems you're gaining confidence, bozo. Have some more beer. Have some more sausage dunked in that awful mixture. Nah, they're all mesmerized. They're all under the spell. They're horny as hell. Ba-ba-boom! Alka-Seltzer. Here's a pill for sore throats. Here's a spare asshole. And here's a cure for prostate problems. Hasta la vista, baby. I guess they got what they came from. They got lead once and for all. And they get rid of their guilt. I'm gonna be your nasty dog. I'm gonna be your dog. And you know what? I'm the hero. And I'm happy. I'm gonna be your loving dog. I'm gonna be your dog. I'm gonna be your nasty jacket. Ow! Yeah.
assoiffé réclame son lot d'hémoglobine dans un instant sur Arte. Oh, my God.
Alors, mon enfant, vous vous appelez comment ? Roland. Voilà. J'ai entendu dire dans la sacristie, Roland, que vous faisiez des films qui n'étaient pas très jolis à regarder. C'est possible, ça ? Anticléricaux, effectivement. C'est ce que j'ai cru comprendre, Roland. Anticléricaux et castrateurs, c'est ça ? Oui, j'ai toujours bien aimé la castration. D'accord. Comment vous... On vous appelle, je crois, le père du gore. C'est bien ça, Roland Lethem. Certains m'ont appelé comme ça parce que personne ne s'y était lancé avant moi dans le cinéma belge. Mais enfin, de là à ce que je sois le père du gore, je crois que c'est très exagéré. Donc vous êtes un peu le précurseur de tout ce qui... Oui, mais sur le petit territoire belge, c'est pas grand-chose. C'est très bien de le reconnaître. Dites-moi, mon bon Roland, On me signale que la première castration qui s'est faite à l'écran était de votre part. Ben oui, j'en savais rien, mais... Ça faisait partie des joyeusetés que la fée sanguinaire s'amusait à commettre sur certains politiciens, certains princes, certains étudiants, et... C'est ça. Je trouvais que c'était amusant de jouer un petit peu sur le côté un peu charnu des hommes. Et d'où vient cette envie de montrer la castration, de parler de sexe coupé, de sexe dans des bocaux, si je ne m'abuse, hein? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une homosexualité refoulée, c'est quoi? Ah, pour les psychanalystes, peut-être, mais comme je ne suis pas psychanalyste... Non, mais nous allons faire une espèce de confession psychanalytique, Roland Lethem. Vous êtes un homosexuel refoulé, c'est bien ça? Ah, mais si ça vous amuse, je veux bien. Bon, donc, nous avons ici à faire une tapette... Alors, dites-nous, Roland Lethem, en plus de cette homosexualité refoulée, on me signale que vous êtes anticlérical et antipolitique. Ça fait quand même beaucoup de défauts pour un seul homme, ça, non ? Bon, il y en a d'autres, heureusement. Ah ! Obsédé sexuel, notamment. Parfait, confessez-vous, Roland, nous sommes ici pour... Pas question que je me confesse à un curé. Ah, vous vous confessez à qui, habituellement, Roland ? Oh, à mon miroir, gentil miroir. Et on m'a dit aussi que vous connaissiez ce fameux, comment s'appelle-t-il, Kirozawa, Jikisawa, Makisaya. Izagawa, c'est ça. Izagawa. Donc c'est cet homme, je rappelle au public, que c'est un japonais. C'est un japonais, mais je ne le connais pas personnellement. Non, voilà. Mais... Par contre, j'ai connu une personne qui a correspondu avec lui. Je rappelle, si vous me permettez, je rappelle qu'Izagawa est ce japonais qui avait tout simplement tué sa femme et l'avait mangé. Ça, c'est un... Allons-y. Enfin, il était amoureux d'une belle japonaise, et comme il l'aimait, il a voulu l'aimer jusqu'au bout. Il l'a tuée, il l'a mise dans son frigo, et puis petit à petit, il l'a mangée, et il a continué à aimer sa chair. Ça semble d'une grande logique. Oui. Bon, mais ça a choqué. Voilà, oui. Donc, on l'a enfermé. Et vous avez encore, vous, des choses choquantes à nous montrer, ou bien... À partir du moment où on décide de choquer, est-ce qu'il n'y a pas tout le temps une gradation où il faut aller plus loin, où il faut foutre de plus en plus la merde ?
Non, mais c'est pas une envie de choquer pour le plaisir de choquer. On peut toujours choquer. Tout le monde me dit toujours que de nos jours, il n'y a plus moyen de choquer parce qu'on a déjà tout montré. Mais c'est faux. Il y a moyen de jouer sur tant de choses. Mais attendez, j'ai eu le malheur de voir La Fée Sanguinaire. Ben, c'est pas choquant, quand même. C'est insupportable, hein, comme film. Non, écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais c'est à la fois répugnant, apolitique, anticlérical. Je ne peux pas cautionner. Hein. Voilà. Je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Tant mieux. C'est ce que vous cherchez, donc que les gens ne cautionnent pas, que les gens vous disent... Oh non, il ne faut pas me dire qu'un curé, c'est les gens. Voyons. Attention, je suis quand même le représentant de... Justement. ...de Dieu sur Terre, et je suis un peu votre papa à tous, hein, Roland. Non, je ne suis pas très fier d'avoir des enfants. Tout à fait hors de question. Comment, vous n'êtes pas mon fils? Oh non. Mon Dieu. Non, donc parlez-nous un peu de cette Fée Sanguinaire, parce que moi, tous ces bocaux avec ces bites qui sont dans ces bocaux, ça m'a amusé, finalement. Mais là, vous êtes en train de révéler la fin du film. Non, on s'en fout, hein, de révéler la fin. De toute façon, le film est mauvais, donc on s'en fout. Hein. Simplement, il y a des grosses bites qui sont dans des bocaux. Ben oui. D'où venaient ces bites? Ah, ben ça, ben, les noms sont en dessous. Attendez. Il y a Rockwell, il y a Diem. Enfin, oui, non, tous non. Les dictateurs de l'époque... Tous les dictateurs de l'époque, j'ai réussi à mettre la main sur les bites de tous ces mecs-là et on les a retrouvés dans des bocaux parce qu'il fallait quand même les garder, il fallait pas que ça pourrisse. J'ai vu aussi De Gaulle là-dedans. Oui, mais là, il y avait un bocal qui est spécial qui était prévu pour lui. Ah, oui. Et il n'était pas encore mort à l'époque, donc il fallait lui garder une place. Une dernière... Mais ce qui est drôle avec De Gaulle, j'écoute, hein, Roland. C'est que la presse française, oui. Elle n'a, vous verrez en voyant le film, le bocal est de grandeur identique à tous les autres, mais pour la presse française, ce bocal est soit plus petit, soit plus grand que les autres. Ah oui. Mais il n'a jamais la même grandeur. D'accord. C'est curieux, hein? Oui, c'est très curieux. Le regard des journalistes a toujours quelque chose de très particulier. C'est comme le regard des curés, voyez-vous. Oui, oui, exactement. Une dernière petite question, mon fils. J'ai cru comprendre que vous aviez eu des problèmes avec la royauté. Lorsque vous exposiez, je crois, des tampax usagés qu'aurait mis la reine, enfin... Oh, c'est très, très indirect. Dans un de mes films, qui s'appelait Le Seigneur est avec nous, Seigneur avec un A. Avec un A. Ah, Le Seigneur est avec nous. Oui, du verbe saigner. Oui, oui, vous m'avez fait un peu peur. Continuez, Roland. Je présentais le portrait d'un collectionneur de tampax, de tampax usagés, qui avait notamment... l'envie d'échanger un de ses doubles, Golda Meir, qui était à l'époque la première ministre d'Israël. Il voulait avoir un bardeau qu'il n'avait pas encore. Je ne sais pas si l'échange a pu se faire, mais toujours est-il que dans sa collection de tampax, il y avait également un tampax ayant appartenu à Fabiola. Vous êtes un malade mental, hein, Roland. Ah. Il en faut. C'est ça, allez, foutez-moi le temps. Sinon, avec quoi est-ce qu'on s'amuserait? Foutez-moi le temps, parce que ça, je ne peux pas cautionner. Les spectateurs vous regardent, Roland Letem. Fabiola aussi, j'espère. Coupez ça. Ce film est dédié au monument de la Verge inconnue. Il était une fois deux ans. Thank you.
Ça va? Thank you.
J'ai envie de faire la révolution. Plus je fais la révolution, plus j'ai envie de faire l'amour. The more I make love, the more I want to make revolution. The more I make revolution, the more I want to make love. Hoe meer ik de liefde bedrijf, hoe meer ik zin krijg de revolutie te maken. Hoe meer ik revolutie maak, hoe meer ik zin krijg de liefde te bedrijven. Mas hago el amor, mas quiero hacer la revolución. Mas hago la revolución, mas quiero hacer la mar. Thank you.
Il était une fois deux anges. Eh bien voilà, je suppose que les deux ou trois détraqués qui sont encore éveillés devant leur petit écran sont des célibataires, des veilleurs de nuit qui n'ont pas de câble ou alors de vrais loups-garous. Quoi qu'il en soit, je crois que pour une première, nous allons nous en rester là. Voilà, c'est ça, nous allons en rester là. Hein, n'oubliez pas de ranger tout ce que vous avez fait comme crasse, de nettoyer tout ce qui est autour de la télévision, hein, et puis de couper avec le bouton power de la télévision, pas avec la zapette. Parce que quand on coupe avec la zapette, mais quand on coupe avec la zapette, c'est toujours la même chose. J'ai des choses à dire encore. Oui, mais quand on coupe avec la zapette, ça continue à consommer, ça tout s'arrête tout en temps. Ça va, j'ai des choses à dire, crie pas. Ça va. Ta gueule. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter une très bonne nuit. Souhaitez une très bonne nuit, chaque fois tu l'as fait, celle-là. Souhaitez une très bonne nuit, de beaux rêves et un tas de bonnes choses pour cette dernière année du deuxième millénaire. Bravo, moi aussi je vous souhaite des tas de choses, hein, de la rigolade, une partie de jambes en l'air, des tas de crasse. Allez, passez une bonne année. Bien, nous allons nous confesser, nous deux.